Mes amis de l'OM, une autre vente se confirme pour aider aux collectes du club foncéen. Oui mes chers, avec Gerson annoncé son départ, sans aucune possibilité de rester à l'OM. Tout ce que vous avez à faire est de vraiment définir votre nouvelle chemise. Même si les médias brésiliens prétendent que son arrivée à Flamengo n'est qu'une question de temps, il y a toujours Sampaoli pressant Sevilla et Palmeiras, actuel champion de la Série A brésilienne qui cherche un remplaçant pour Scarpa et rêve du Joker portant le Palmeiras vert-blanc. Et dans un sens parallèle, après tout, les dirigeants marseillais ont vu leur première option de rapatriement être rejetée. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour recevoir quotidiennement l'actualité de Marseille. Au Torino FC en prêt lors du dernier mercato, le joueur serbe s'est fait remarquer dans le championnat italien et ne devrait pas revenir à l'OM. Nemanja Radonjić devrait voir son option d'achat levée par l'équipe italienne très prochainement. Même parce que pour rendre l'option d'achat obligatoire, il n'y a plus qu'une victoire pour le Torino. Mais quelle que soit l'obligation, les dirigeants ont déjà fait savoir très clairement qu'ils voulaient Radonjić le plus tôt possible. Je crois mes amis que les managers seront satisfaits de ces deux ventes, après tout cela signifie plus d'argent dans le club.